Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Demon Slayer ou bien Kimetsu no Yaiba. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, les liens sont en description. Comme d'habitude, la dernière fois, eh bien, on s'était laissé avec Tanjiro qui avait réussi l'épreuve et qui était du coup devenu un vrai Demon Slayer, un vrai chasseur j'ai envie de dire. Et on avait son corbeau, hein. Je rappelle que en gros quand t'es Demon Slayer, t'as un corbeau, t'as un sabre du soleil notamment, et son corbeau lui avait amené sa première mission en tant justement que chasseur. Alors c'était un épisode que j'attendais plutôt pas mal parce que les premières missions, ça nous montre un petit peu comment est-ce que ça va se passer par la suite, tout simplement parce que ça sera très certainement pas sa première mission, et puis ça nous permet de voir aussi comment est-ce que le personnage agit. Et notamment ici, on est sur quelque chose d'un petit peu différent parce que souvent, quand tu as une mission à faire dans un animé ou autre et que c'est ta première, c'est souvent en groupe et tout. Alors qu'ici, Tanjiro notamment, il est tout seul, donc c'est super intéressant et l'épisode était vraiment très très sympa, mais on va en parler. Bon, début d'épisode, on a Tanjiro du coup qui enfile sa nouvelle tenue et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de sa tenue. Maintenant, elle est verte. Personnellement, enfin, elle est comme au tout début en fait. Personnellement, je préfère quand il a sa tenue bleue qu'il avait avant, qui ressemble en fait à celle de Sakonji. Je trouve qu'il est beaucoup plus stylé avec le masque et tout. Je trouve ça un petit peu dommage du coup qu'il change de style. J'aurais préféré qu'il reste comme avant, mais bon, ça c'est juste mes goûts à moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous trouvez ça. Alors, sa première mission, elle consiste en quoi? Eh bien, tout simplement, il y a dans un village, chaque nuit, une fille qui se fait enlever et du coup qui se fait très certainement bouffer par un démon. Et le but de Tanjiro, c'est de trouver effectivement ce qui se passe là-bas et de buter le démon, hein. Concrètement, c'est ça qui se passe. Et j'ai trouvé que l'épisode était très intéressant par la façon de faire de Tanjiro justement, parce qu'ici c'est un petit peu différent dans le sens où la journée, tu sais que le démon il va pas se montrer parce que les démons ne se montrent pas de la journée et il faut surtout agir la nuit. Et du coup, on a en fait, on va dire, une enquête qui se crée. En tout cas, il essaye durant la journée de trouver des indices un petit peu de où est le démon, etc. Et il essaye de vraiment trouver où est-ce qu'il se trouve, ce qui se passe dans la ville et tout. Et la nuit, c'est à ce moment-là où il faut agir parce que le démon lui agit de son côté. Donc en arrivant dans le village, notre Tanjiro y trouve Kazumi, qui est en fait on l'a vu dans le dernier épisode déjà, c'est le petit copain de la dernière fille qui s'est fait enlever, tout simplement. Donc c'est vrai que lui, il est encore sous le choc et tout, et bon, il s'est fait engueuler apparemment par les parents de la fille, parce que les parents ne le croient pas quand il dit que, effectivement, la fille s'est fait enlever. Donc on a, comme je vous l'ai dit, un petit moment où on le voit durant la journée et Tanjiro notamment essaye de chercher un petit peu des informations. Il utilise beaucoup son flair. D'ailleurs, hein, donc on savait que son flair allait servir énormément. Là, on le voit encore une fois parce qu'il détecte bien les démons, etc. Il essaye un petit peu de voir où peut être le démon. Et quand il y a une nouvelle trace du démon, on va dire, il le reconnaît directement. Il y a quelque chose que j'ai trouvé un petit peu différent chez Tanjiro par rapport à ce qu'on savait par rapport aux autres Demon Slayer notamment, c'est que, eh bien, si on prend tout ce qu'on sait depuis le début sur justement les chasseurs, on se rend compte que souvent ils agissent un petit peu dans l'ombre, on va dire. C'est-à-dire que même pour les gens, ça reste parfois une légende. Si t'as pas vu de chasseur, tu penses que c'est une légende, mais effectivement, bon, ça se voit qu'il y a des gens très certainement qui luttent durant la nuit contre les démons. Et c'est vrai que Tanjiro, il a l'air d'être différent dans le sens où lui, il s'en fout un petit peu de la jouer discret, on va dire, comme peuvent l'être d'autres Demon Slayer. Lui, il est là, il cherche des informations et tout, et puis au final, on a Kazumi qui se rend bien compte que c'est effectivement un chasseur. Donc on va peut-être avoir justement quelqu'un qui agit différemment, ou peut-être que c'est juste pour cette mission-ci, parce que c'est vrai que tu essaies un petit peu de voir ce qui se passe avec les gens, mais j'ai l'impression que Tanjiro agit différemment des autres chasseurs. D'ailleurs, ce qui serait cool, c'est de voir en fait une mission d'un autre chasseur à un moment donné, ou voir comment est-ce que ça se passe dans d'autres circonstances, on va dire. Parce que bon, ici c'est vrai que c'est des enlèvements, donc c'est à chaque fois deux personnes qui sont ensemble, puis au final, boum, il y en a une qui se fait enlever et c'est la fille. Donc il faut voir un petit peu comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a d'autres choses qui se passent. Mais effectivement, Tanjiro,
Lui, il se montre dans le village, il en a rien à foutre de dire que c'est un chasseur. Et d'ailleurs, Kazumi, à un moment donné, le dit, donc ils existent vraiment. Et c'est à ce moment-là que tu te dis que les chasseurs bah, sont un petit peu considérés comme une légende, on va dire, hein. Vraiment très grossièrement, c'est effectivement une légende qu'il y a des chasseurs. Mais bon, au final, on sait que c'est vrai, nous. Et du coup, bah, on a Tanjiro qui arrive au final à retrouver le démon. Hein, qui va effectivement agir la nuit. Il arrive d'ailleurs à kidnapper au départ une fille, mais Tanjiro arrive très rapidement à le retrouver. Et encore une fois, eh ben, on voit que Tanjiro, il était complètement prêt à assumer son rôle et à réussir sa première mission, parce que directement, boum, il sent qu'il y a une odeur en plus. Enfin, il y a l'odeur du démon qui s'est entre guillemets actualisée. Il sent qu'il y a une odeur d'humain avec, donc il se décide de vite agir. Et puis, boum, on le voit qui commence à sauter partout. On voit que bah, d'ailleurs, il sait faire des sauts incroyables. Il y a Kazumi qui est là. Oh, il a fait un saut incroyable! Donc, bon, on voit qu'il a des compétences différentes de certains humains normaux, des humains normaux en fait, hein, tout simplement, comme tous les autres Demon Slayer. Et du coup derrière lui on a le combat qui commence. Alors le combat franchement c'était un combat très je vais pas dire lent, mais c'est vrai que les combats qu'on a eu jusqu'ici c'est un petit peu plus lent qu'habituellement, parce qu'habituellement les combats qu'on a dans ces espèces d'animés, enfin dans certains animés notamment bah, ceux où il y a énormément de combats, c'est des combats qui sont plutôt rapides dans le sens où il y a énormément de coups qui sont donnés, etc. Bon, sauf si vous avez effectivement un personnage qui one shot, hein. Mais habituellement les combats sont assez rapides. Alors qu'ici, on a vraiment le côté de Tanjiro où il réfléchit à tout ce qu'il fait. Quand d'ailleurs il fait une erreur dans le combat, parce qu'à un moment donné, il change un petit peu ses mouvements par rapport à ce qui se passe, et derrière, il se rend compte que. Bah, il aurait pas dû justement changer ses mouvements. Et donc c'est vrai qu'on a tout le côté où Tanjiro réfléchit durant le combat, où il voit un petit peu les erreurs qu'il a pu faire peut-être à un certain moment. Et on le voit, bah, ses réflexions, tiens, oh on m'attaque par la droite, bah, je vais essayer d'esquiver en faisant telle chose et tout. En tout cas, ça c'est hyper cool. Et puis même au niveau musique et tout, au niveau animation, encore une fois, bon, c'était pas des trucs oufissimes qu'il y avait dans cet épisode-ci niveau animation. Mais c'est toujours très propre en tout cas, et niveau OST, j'ai bien kiffé celle qu'ils ont mis à un certain moment justement dans le combat où au tout début où il utilise sa première technique d'eau, on va dire entre guillemets. C'est vrai que c'était hyper sympa de voir un petit peu ça. Il y a une autre question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va voir les pouvoirs de son sabre? Parce que on en a reparlé de ce sabre, et c'est vrai que. J'en ai rapidement parlé dans ma dernière review, mais les sabres ont une couleur selon la personne. Et c'est vrai que Sakonji, au début de l'épisode, mais justement, parle à Tanjiro et lui dit que les sabres ont chacun des particularités. Mais notamment pour les sabres noirs, ben, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont parce qu'il y en a très peu. Et d'ailleurs, il dit même que les chasseurs les moins forts, ou je sais plus comment est-ce qu'ils formulent ça, mais sont appelés les lames noires. Donc c'est vrai que ça reste une inconnue que je suis curieux de voir, mais tout simplement ce qu'il sait faire avec son sabre de différent par rapport aux autres, et je suis curieux de voir aussi d'autres sabres, ce qu'ils peuvent faire, etc. On apprend une autre chose aussi, c'est que eh bien il n'y a qu'un seul démon qui peut transformer les humains en démons, et c'est Muzan ou Muzan, je ne sais pas comment est-ce que vous le prononcez. Qui est le premier humain à s'être transformé en démon, et apparemment ce serait le seul qui puisse encore transformer quelqu'un en démon derrière. On a eu cette information-là qui a été donnée dans un flashback d'ailleurs où justement Tanjiro parlait à Sakonji. Donc l'objectif ça serait de retrouver ce Muzan. Bon, pendant tout le combat on a Tanjiro qui, pour revenir sur le combat, qui pense effectivement à sa sœur, etc. qu'il faut la sauver, qu'il doit devenir plus fort et tout. Ça va revenir très très souvent j'ai l'impression. Et. D'un coup, il y a bah, le démon qui attaque par derrière parce qu'il peut être à plusieurs endroits à la fois. Enfin, il a plusieurs, lui, le démon, en gros, il y en a trois, je crois. Il s'est divisé en trois, on va dire. Et à un moment donné, bah, Tanjiro se prend un coup par l'arrière, malheureusement. Bah, aucun moyen d'esquiver, et c'est Nezuko qui arrive. Boum, elle sort de la petite boîte, justement, que Tanjiro a dans le dos. Et elle fout un gros coup de pied, boum, dans la gueule. Du démon d'ailleurs, je sais pas s'ils ont dit le nom du démon, enfin soit c'est pas grave. Et notamment, information assez importante, on apprend que Sakonji, pendant que ben, Nezuko dormait, lui a soufflé que les humains étaient
faisait partie de sa famille et que ses ennemis c'était les démons. Donc elle agit un petit peu en mode comme ça. Elle va peut-être plus forcément agir contre les démons juste pour protéger son frère par rapport à avant, parce que les seules fois en gros où on l'a vu agir contre un démon, c'était pour protéger son frère. Donc à mon avis maintenant elle va un petit peu changer, et de toute manière ça se voit un petit peu à un moment donné, notamment elle voit Kazumi qui a la fille dans ses bras et elle les touche comme ça en mode vous êtes ma famille, je vous protège, etc. Donc ça se voit que Nezuko petit à petit commence à changer, et bah, peut-être qu'à un moment donné d'ailleurs on la verra plus avec son truc dans sa bouche. Mais c'est vrai que bon, elle a beau changer et devenir enfin du moins ne plus vraiment penser comme un démon à tout le temps bouffer. Si à un moment donné elle a peut-être vraiment faim ou quelque chose comme ça, parce que je suppose qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va déclencher, on va dire, une rage chez elle, ou qui va peut-être déclencher quelque chose où elle va vraiment avoir envie de bouffer. Faudra voir un petit peu comment est-ce qu'elle va réussir à se contrôler, mais à mon avis, quand t'as des situations comme ça, t'as souvent un moment donné où la personne qui est entre deux feux, on va dire, comme ici, Nezuko, elle est entre les démons et les humains, bah, elle commence à péter un câble à un moment donné et elle sait plus trop ce qu'elle fait. Donc je pense qu'on aura très certainement un moment comme ça. Et je suis curieux de voir comment est-ce qu'elle va réagir. Et pareil pour Tanjiro dans ces cas-là. Notamment peut-être que si elle voit son frère qui se fait défoncer, bah, elle va commencer à devenir folle. Elle saura plus trop ce qu'elle fait. En tout cas, ça peut être très intéressant. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Bon, malheureusement, on ne sait pas ce qu'il est advenu du combat, on le verra dans le prochain, mais vraiment c'était très sympa et impatient de voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer par rapport à ça. Au niveau de la petite histoire de la mission, bah, c'est vrai que c'est toujours sympa, on va dire, d'avoir une petite histoire qui est racontée. Alors ici on n'apprend pas trop de choses sur Kazumi notamment, donc c'est vrai qu'on va pas forcément avoir le temps de s'attacher au personnage, mais ça peut être quand même assez intéressant. J'espère qu'ils développeront peut-être un petit peu plus les personnages justement, parce que là, comme je vous ai dit, bah, c'est vrai que Kazumi notamment, il n'a pas été forcément développé. Après, c'est des missions, voilà, s'il enchaîne les missions, on va pas commencer à raconter des choses sur tous les personnages, hein, j'ai envie de dire. Mais j'espère que quand tu auras besoin, ils nous raconteront un petit peu plus de choses sur les persos pour qu'ils soient plus touchants, etc. selon ce qu'ils ont à raconter. Sur ce, je vous laisse ça pour cette vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!